le mic et l'enclume. Alors, un peu d'harmonie, de joie, de réconciliation autour d'un album d'un grand artiste francophone. Ouais. This is Zilla. J'arrive même plus à prononcer. This is Zilla. C'est en français. This is Zilla. D'accord. Alors, est-ce un géant vert This is, il arrive à la quarantaine. Oui, je crois que j'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il cherche à faire dans le rap, en fait. Punk rock, là, il a dans la musique. Je comprends, c'est vraiment une énigme pour moi, ce mec. Si tu veux, tu dis c'est un géant vert. Oui, géant vert, haricot, maïs, mais pas géant vert dinosaure. Ça ressemble pas à ça du tout. Mais non, je mais faire. Ouais, moi, c'est un album qui m'a laissé vraiment. Non, c'est vrai que son album, bon, perplexe. Il avait sorti son album Pacifique, c'est quoi? Ouais, Pacifique. On avait aimé le morceau Splash, le clip. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, on avait kiffé le clip et tout. Il y avait un petit jazz. Non, on l'avait. On était tous là, ah, c'est bien, c'est bien. Vous savez, vous avez oublié, vous n'avez plus de mémoire. Enfin, moi, je n'étais pas là. Il m'a fait oublier. En fait, on avait kiffé le truc. Là, c'est vrai qu'il est dans un délire un peu. Il est un peu aigri. Je le sens un peu aigri. Boule de feu dans l'abdomen, poing serré, les yeux qui saignent. Tueur en série, gentleman. Je jette leur flow dans la scène. Eureka comme Archimède. Je me suis retrouvé, je vais t'archidède. Je suis pas un rappeur, je suis architecte. Ma carrière est archi belle. Mes albums, c'est des cathédrales. On les comprendra plus tard. Leurs albums, c'est des fajitas. On les chie une heure plus tard. Bon, bah quand même. Ouais. Bah, non, le problème, c'est que pour reconnaître la chose, This is, il a la technique. On se parle clairement, il a la technique, c'est un mec qui kickait vénère. Mais le problème de son album, c'est que ce qu'il te dit, c'est ouais, je vous nique tout, je vous nique tous. Comment dire? C'est d'un côté, c'est le padré. C'est moi, j'ai déjà tout niqué, j'ai rien à prouver. Et de l'autre côté, il te parle comme un enfant, comme un mec qui vient d'arriver dans le rap, qui a des choses à prouver. Et je me dis, putain, ce paradoxe-là, il a pas réussi à en faire, comment dire, un truc parfait, tu vois. Non, mais il a pas compris pourquoi il a pas percé ou il a pas atteint un certain niveau. Non, en il a percé temps quand carrière. Même. Il a non, percé. Il a eu des bons moments. Il a, il a aucun classique. Si. Il a je des bonnes. Les plombs. Pète les plombs, c'est un gros classique. Mais moi, j'en ai entendu parler. Ouais, c'est mais non, mais c'est le pas, truc, c'est que il a souffert de cette image. Il a souffert de cette image. Il n'est pas compris par le public. Attends, deux secondes. Il a souffert de cette image de rappeur un peu de variété, de voilà, de rappeur très mainstream. Surtout après le featuring qu'il a fait avec Yannick Noah, là, pieds nus et tout, Matisse, etc. Il a fait ça. Donc voilà, et après, il a voulu se racheter une image en étant un peu plus dur, un peu plus ghetto. D'ailleurs, là, dans... Avec son film aussi, à Lightmise, ouais, là, qui était, je sais pas, dans tes rêves, voilà. C'était voilà, foireux. Il a voulu se la donner au cinéma, après l'écriture, et les bouquins, je trouve que c'est un peu perdu. Ouais, et il s'est fait allumer aussi sur... juste la petite parenthèse, quand il avait fait l'émission sur France 3 à l'époque, avec, il y avait lui, il y avait Joe Star, écoué de la rumeur, il y avait tout un débat sur la société et le truc, et le mec, en fait, s'est fait terminer tellement fort, il disait, mais toi, t'es un faux cul, toi, un coup t'es à droite, un coup t'es à gauche, tu bouffes à tous les râteliers. Cette émission, tous les mecs qui kiffaient à l'époque ont vu ça, tu tournes ta veste, tu dis, vas-y, c'est bon, d'ici, on a compris ton jeu. Donc, excuse-moi pour la parenthèse. Non, mais c'est... bon, cet album, moi, j'ai pas... On sait pas trop où il... Oui, ben, voilà, on sait pas trop où ça va, mais bon... Écoutons-le peut-être pour le savoir, encore un petit coup. Ouais. Daron, famille, je sais pas c'est quoi. Poto, ça va, coussi, coussa. Je suis détaché, je m'attache pas. Les liens, tout ça, je sais pas c'est quoi. Hiro, 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 shima. Tu fais trop le bon élève, frère. Le premier de la classe, on s'en fout. Tu vois, là, on entend le son, j'ai l'impression que je l'ai déjà entendu, mais en version anglaise. Et que là, je l'entends avec des paroles françaises. Et donc, du coup, il dit coussi, coussa. Bon, bah, je suis gênée. Je veux dire, je veux pas d'un bon élève. Moi, je veux d'un mec qui met ses tripes, qui est crade, qui déborde, exact. Qui. Bah, non, mais t'as raison, c'est comme ça. On s'entend, on se réconcilie, on bavant sur quelqu'un, c'est pas merveilleux. C'est merveilleux. Bien dit. Il a toujours eu ce rap propre. Non, mais il aurait été meilleur, tu vois, comme un premier de la classe qui devient la pire des carrières du fond de la classe, ou le mec du fond de la classe qui arrive à faire des prouesses, à avoir 14 de moyenne. Ou tu produis des gens, non, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est son problème, en fait, c'est que c'est pas ça, c'est qu'il joue des rôles, en fait. Il est pas, en fait, dans une posture vraiment de sincérité. Il essaie de faire le mec qui fait du sale. Bah, vaut mieux laisser ça aux spécialistes, parce qu'eux, ils le font bien. Mm-hmm. Il veut être irrévérencieux, à la fois ghetto, il a 40 ans, c'est pas crédible. Donc moi, je pense que, et c'est dommage, parce qu'on sait tous qu'il a un niveau d'écriture, qu'il sait kicker, et qu'il sait choisir des instrus. Donc il a les instruments pour être un grand, c'est un bon, juste. Et son album est quand même raté malgré tout. Je pense que moi, il y a un morceau en fait que je trouve exceptionnel au milieu de tout ça, et c'est celui où il est vraiment le plus sincère. C'est Terre Promise. Le texte, il est chiant.
Tu vois, il est chamé, le refrain, il est propre, bien exécuté, ça fonctionne. Hey maman, pourquoi tu pleures? Quel monstre t'a croqué le cœur? Hey maman, pourquoi sous tes yeux y'a du noir comme Skeletor? Pourquoi je vais toujours chez tes sœurs et chaque vacances tu restes toute seule? Maman, pourquoi t'as pas de voiture? Maman, tu peux m'acheter des Nike? Maman, tu m'amènes chez le coiffeur? Maman, tu peux m'acheter un bike? Oh non, pas encore, c'est yaourt. Regarde maman, comment je suis fort. Laisse-moi, je vais porter les courses. Je suis musclé comme Musclor. Hey maman. Tu peux pas dire qu'il s'invente une vie sur celui-là. Mais oui. Mais... Et puis il est habile en plus dans sa manière de parler de son enfance, du rapport avec sa mère qui est malheureuse et tout machin. Et c'est le seul morceau qui est vraiment à écouter et à retenir de cet album-là en fait quoi. Donc c'est ça qu'il doit être faire, c'est être sincère. Merci beaucoup, Labrax. La playlist du Mike Inonclume est disponible donc chaque mois sur Deezer et Spotify, tous les morceaux dont on parle dans l'émission en entier. Prochain enregistrement, c'est ici en public, en live à la Goutte d'Or, au FGO Barbara, ce sera le jeudi 25 octobre à 19h45, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner au podcast sur l'appli d'Apple, sur Deezer, sur Stitcher, sur SoundCloud. Mettez des petites étoiles, le Mike est un podcast d'Arte Radio. Merci. Merci à vous, à bientôt. Merci. arteradio.com